Ça va, je me suis fait faire mon drainage lymphatique et la cryo aujourd'hui. Je vais mieux vous en parler tout à l'heure. Là, je vais aller au sport. Je vous en parle tout à l'heure parce qu'en fait, je suis à la bourre. Là, je vais aller au sport et voilà. En fait, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'étais un peu fatiguée vu qu'on est sorti hier. Mais sinon, tout va bien. J'espère que. Moi, je suis vraiment grave en fait. Comme je suis pas fatiguée, que tout va bien, je ne vais pas sortir depuis une semaine. Par contre, aujourd'hui, je suis KO. J'ai clairement la gueule de bois. Je me dis, allez, toi, tu bosses pas. En fait, c'est pour me punir. C'est ça, pour transpirer mes péchés en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Minette? Ça m'aide vraiment déjà à gérer mes séances au niveau en fait de mes performances et tout, donc je trouve ça bien. Et surtout, ça me permet de recevoir les messages, de gérer ma musique, tous mes appels, genre notifications, Messenger, Instagram, WhatsApp, et ça m'évite d'être collée à mon téléphone pendant le sport. Donc c'est vraiment le top du top. Elle est trop bien, le tactile, il est trop bien, genre je l'utilise tout le temps. Et surtout, le rythme cardiaque qui est dessus, donc moi je regarde tout, je suis hyper curieuse, et ça me fait tout le recap de mes séances, le nombre de pas à la journée, enfin moi je kiffe. Donc je vous montre là par exemple, ça c'est ma séance de sport, donc j'ai le nombre de calories, j'avais les battements, il est top, franchement vous avez tout, vous avez vos heures de sommeil, vous avez vos séances de sport, enfin vous avez vraiment tout, tout, tout. La batterie elle dure ultra complet, donc je trouve ça trop, 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 trop bien. Vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez vraiment tout faire. Plus en principe les montres connectées, il n'y a que ce genre de bracelet, donc pour le sport c'est le top, hein. Je me plains pas du tout parce que du coup ça glisse pas et tout avec la transpiration. J'ai pris un bracelet rose également parce que je trouve trop trop beau, mais j'ai aussi pris mieux que le bracelet comme ça en silicone, enfin pour les filles je trouve ça beaucoup mieux. Je leur ai pris des écouteurs comme ça, sans fil, ils sont géniaux. Je suis dégoûtée, je les ai oubliés tout à l'heure, j'avais mes vieux écouteurs avec fil parce que moi j'ai perdu le boîtier de mes AirPods. Donc j'ai des envies de meurtre au vu du prix et ceux-là, le rapport qualité son, ils se connectent direct, vous galérez pas à les connecter, genre vraiment, le téléphone il les capte direct. Ils sont géniaux, vraiment. Une offre en cours, vous avez la montre avec les écouteurs à un prix hyper, hyper, hyper abordable. Moi, j'ai un code de moins 20% pour mettre le code. Vous avez le lien en swipe-up et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc là, vous êtes sur le site, regardez. Alors, tout simple, la montre, elle est là et le pack, il est là. Il y a déjà l'offre dessus, donc c'est à moins de 70 euros. Imaginons, je prends le pack, il va avoir quand même en fait mes moins 20% qui vont s'appliquer dessus. Honnêtement, je vous conseille de le prendre parce que les écouteurs sont géniaux et la montre aussi. Donc en plus, ça vous fait gagner de l'argent. Là, vous marquez Victoria 20, donc en fait mon prénom suivi de la réduction qui va s'appliquer. Et directement, ça vient s'appliquer. Donc vous avez les écouteurs et la montre à 50,92 €. Donc je trouve ça hyper, hyper, hyper rentable. Franchement, désolée pour ma tête, mais je sors du sport en fait. Donc du coup, c'est difficile d'être belle quand on sort du sport. Je voulais vous faire un récap. Moi, j'ai des grosses cuisses en fait, donc ça me saoule. Donc ça marche trop trop bien. Je vous avais mis l'avant après la dernière fois sur une séance. J'avais perdu genre 1 cm je crois en une séance. Donc je continue, je suis assidue parce qu'il faut être assidue sur les séances. Je fais un scénario en fait à côté de chez moi. Je vais vous mettre le Insta de Géraldine, celle qui me le fait. Et là en fait on a complété avec des drainages lymphatiques. Alors je sais ce que vous allez me dire. Qu'il y a un moment j'avais dit oui j'en fais plus parce qu'après en fait j'avais surgonflé après plus. Pourquoi, comment, elle m'a dit que ça n'avait pas forcément été fait de la bonne manière. Et moi, je suis pleine de rétention d'eau. Genre, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a que ça dans mon corps. De la rétention d'eau, j'en ai jusqu'au genou. C'est affolant. Je disais que c'était affolant, en fait, tellement j'en ai. J'ai de la cellulite de ouf et tout. Et j'arrive pas à m'en sortir alors que je bois beaucoup. Donc du coup, il faut faire les drainages. Donc là, on va en faire peut-être 3-4 séances vraiment d'affilée pour vraiment toi par mois. À savoir que moi je l'avais fait chez quelqu'un d'autre et ça m'avait fait extrêmement mal, genre vraiment. Et je voulais plus du tout faire de drainage, j'avais pas du tout kiffé mon moment, vraiment pas. Et je voulais plus en faire, c'était devenu un traumatisme. Et c'est souvent des hommes qui les font, j'ai remarqué. Et moi ça me dérange que même si la personne est professionnelle et tout, je préfère que ce soit une femme qui me le fasse. Et donc j'en trouvais pas. Et j'ai découvert au bouche à oreille Marisa, qui est du coup à l'espace santé, pareil en fait à côté de Géraldine, qui me fait la cryo. Elle est géniale. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas du tout subi mon drainage et qu'on a vu les résultats directs. Mes cuisses, elles sont toutes lisses, la poêle est toute lisse, j'ai quasiment plus rien en fait. Donc, je disais que c'était vraiment génial, genre limite j'ai kiffé, j'avais l'impression que c'était un massage, c'était trop bien. À savoir que là il y avait les quatre mains, parce qu'en fait elle avait une petite stagiaire Jade, mais normalement bon elle le fait toute seule.
Mais moi, j'ai kiffé mon moment, c'est trop bien. Et on a pris des photos avant. Là, on va bien bosser sur les cuisses et tout. Et je vous montrerai le après. Mais franchement, ça marche trop bien. Si vous faites plein de rétention d'eau et tout, c'est bien de faire des drainages lymphatiques, même une fois par mois. Et de l'entretenir, en fait. Mais moi, je m'en sortais plus, en fait. J'ai de la cellulite jusqu'au genou. Je me tue au sport. Je fais gaffe à ce que je mange. Enfin, c'est frustrant, en fait, à la fin. Et je captais qu'en fait, enfin, je viens de capter que mon problème, c'était vraiment la rétention d'eau. Donc, je suis en train d'y remédier. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et là, j'ai kiffé la séance. Parce qu'en fait j'étais au sport, mais j'ai pas pu mettre mon short Fit Tiger, je le mets tout le temps parce qu'en fait il était mouillé et du coup, enfin, parce qu'en fait je l'ai lavé parce que je lave mes habits et du coup j'ai pas pu le mettre. Normalement je le mets le plus souvent possible, c'est pour ça que j'essaie de toujours le laver direct. Je le mets le plus souvent possible parce que c'est le short en fait. À l'intérieur il y a un certain matériau qui fait que ça vous fait perdre en fait toute l'eau que vous avez en trop. Donc du coup, en plus, ça poursuit bien le fait que je fasse des drainages. Donc ça, c'est cool. Et en fait, vous dire ça, il y en a partout dans le short. Regardez, là, il y en a partout. Et plus vous le serrez, plus ça marche. En fait, ça s'attache avec des petites attaches, on dirait un soutien-gorge. Et en fait, c'est un soutien-gorge géant. Plus vous le serrez, plus ça marche. À savoir que vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le porter quand vous traînez chez vous. Au moins, même si vous faites rien, que vous dépensez pas de calories, vous éliminez quand même un peu plus de graisse, un peu plus de toxines, un peu plus d'eau. Et moi, ça me sert vraiment au niveau du ventre pour bien venir me dessiner les abdos parce que je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, il est trop bien coupé. Il vous fait une trop belle silhouette. Il fait des jolies fesses. Il gaine bien le ventre. Donc ça, c'est bien. Et surtout, vous êtes bonne comme ça, mais en dessous vous êtes bonne aussi parce que du coup ça vous fait bien transpirer. Et comme ça, moi je commence à récupérer un petit peu mes abdos au niveau des fesses et tout. Ça me fait bien transpirer de la culotte de cheval, ça me fait bien partir tout ce qui est cellulite et tout. Ça travaille vraiment là-dessus. Donc moi je kiffe ce short. De toute façon, il est validé depuis un moment. En plus, il est cool. Même si vous le mettez comme ça avec un short un peu long, ça vous fait un cycliste simple noir, donc c'est cool. Et ça coûte pas très très cher en fait. C'est la logique, vous perdez de l'eau donc forcément vous fondez un petit peu. Et ça, c'est trop bien, surtout au vu de l'été qui arrive. Comme je vous disais, vous pouvez très bien le porter chez vous et ça vous culpabiliserez moins de rester chez vous à rien faire parce que dans tous les cas, vous perdrez quand même un petit peu plus. En tout cas, moi, j'ai pris l'habitude de le mettre maintenant hyper souvent. Je vais vous montrer, même là que je le porte, je transpire quand même. Bon, il y a moins de transpiration que quand j'ai fait une séance de sport. Mais là, juste le fait de le porter un petit peu, parce que du coup, je suis rentrée, je l'ai mis direct. De suite, en fait, ça fait transpirer. Et c'est ça de partout. Genre, je suis trempée en dessous. Le short, je peux l'essorer. Ça veut dire que ça a bien bossé et que du coup, je vais bien sécher. Ça vous intéresse, les filles, vous avez moins 30 sur le short de sudation. Il y a des leggings aussi, un peu plus longs, si ça vous intéresse. Vous avez moins 30 dessus. Je vous note le code, vous avez le lien. On swipe up. Et voilà. J'adore. Ensuite, il y a un gros concours, en fait, je me suis trop bien, je vais tout ça à ce qui est là, comme vous avez pu le dire, en fait, je vais vous donner, 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 je vais vous donner,